Particulièrement complexe, mais très banal sur le pourtour de la Méditerranée. On peut en distinguer les composantes sur le schéma. Eh bien, revenons. Je demande pardon, mais c'est parce que le proviseur vous demande tout de suite. L'officier de police est sorti de l'hôpital. Et naturellement, ça fait du bruit. Il va falloir que vous alliez prendre l'air. Oui, monsieur Rabel disait qu'au lieu d'une sanction, tu pourrais demander toi-même ta mutation et le ministère ne ferait pas de difficulté. Attendez, j'y suis pas là. Je trouve deux types en train de frapper un gosse. Flic ou pas, je me mets au milieu. Vous n'auriez pas fait la même chose, vous? Et c'est moi qui dois demander l'addition? Très bien. Tu recevras ma lettre de démission demain matin, Pierre. Non mais non, ça va pas, non? Oh, ta gueule! Oh, c'est vraiment distingué, mais quelle classe! Écoute, Marc, j'arrive pour prendre une leçon, t'es déjà assis derrière. Tu parles, tu me fais la danse du ventre. Moi, je vais me payer un piéton, c'est toi qui auras gagné. On débraye en souplesse. Clignotant. Seconde. Et on jette un œil dans son... rétroviseur. Voilà. La vérité, c'est qu'en voyant ton père, tu claques des dents. Et le temps passe, quand tu seras vieille fille, tu pourras toujours pleurnicher. Oh, tout ça est d'un triste. Mais pourquoi tu lui parles pas, toi? Bonjour, monsieur, je veux vivre avec Isabelle, au revoir, monsieur. Moi, je suis une gnagnan, mais toi, t'es un homme. Il est pas charmant, mon père? Oh, il est exquis. T'as parlé à mon père, alors? Non, j'ai pas pu. Comment t'as pas pu? Pourquoi? Parce que quand il me regarde, c'est comme en classe, j'ai l'impression qu'il me soulève. Je vais y écrire. Mais c'est lamentable, tu sais. J'ai la sensation qu'il t'a un homme pour une bulle. Répète. Touche pas l'anorak. Va-t'en d'ici, maintenant, j'en ai marre. Ah, mais c'est pas de me laisser, Isabelle. Dehors, je te dis. Il a cassé un cendrier. T'as passé une bonne journée? Oh, formidable, une journée épatante, oui. Ben moi, je vais me coucher. Bonsoir. Je vais aller vivre avec Marc. Tu t'es vue avec tes petits genoux blancs et tes chaussettes? Oh, je peux mettre des bas, hein, si ça peut... Tu sais, aujourd'hui, la société n'est plus... Les gens s'aiment, se désaiment, on n'en fait pas une cérémonie à tous les coups. Hein. T'as qu'à regarder autour de toi. Ça change, ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là, Isabelle? Tu m'expliques la vie? Je suis en vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que rien, mais je suis tombée sur structure et histophysiologie des épithéliums glandulaires exocrines. Et je suis restée en carafe. Qu'est-ce que t'aurais mis, toi? Ne parle pas comme ça, Isabelle. T'as brûlé la fleur ou je t'ai pas vu? Mais tu veux quoi? La liberté! C'est pas un métier, ça. Oh. Mais tu as raison, tu vois. Ce que je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure, de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui. Maintenant, dans ta chambre, un lapin qui fait bravo. Allez, hop! Tu me fais pas peur, hein, tu sais. Même demain, si tu m'envoies l'examen, et ben même avec un fouet, j'écrirai pas! Parce que sans doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein? Tu parles mal. Tu travailles mal, tu danses mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle. Je vis mal, mais c'était le départ. Ah oui, pardon, j'oubliais, oui. Et c'est sans doute pour ça que t'as failli coucher dehors la veille de l'examen, pour vivre autrement, hein, c'est ça? Pas autrement, autre chose! Et avec quoi? Avec lui, là, qui peut pas mettre un mot devant l'autre et qui tombe de son vélo dès qu'on lui parle? Hein, c'est ça? Pour toi, un homme, c'est ça? Mais je veux pas un homme, j'ai jamais dit ça! Je m'en fous d'un homme! Je veux un garçon! Et puis lui, j'espère qu'à la cinquantaine, il se retrouvera pas sur le carreau, hein! Parce que toi, toi aussi, t'en es tombé de vélo avec tous tes diplômes!
Isabelle. Isabelle!